Aujourd'hui, je vais vous montrer le nœud de chirurgien qui a un excellent nœud de raccord. Son seul défaut, c'est qu'il est assez gros, donc il ne va pas passer dans les anneaux. Mais sinon, c'est un excellent nœud. Donc on fait des bas de ligne assez courts, de 70-80 cm environ. Donc vous prenez la tresse qui vient du moulinet et votre nylon ou votre fluorocarbone de bas de ligne. Donc ça, il faut le couper d'avance, le fluoro ou le nylon. Vous prenez un mètre par exemple et vous ferez un bas de ligne de 80 cm. On croise les deux sur une longueur assez conséquente de 15-20 cm. On fait une boucle. Comme ceci, avec les deux fils joints, et on va passer quatre fois dedans, tout simplement. Une, deux, trois. Alors, il faut passer tout le bas de ligne, toute la longueur du bas de ligne. C'est le seul truc qui est un peu fastidieux, mais il n'est pas très long, donc ça se fait bien. Voilà, ça vous donne ceci. Et vous n'avez plus qu'à serrer. On humidifie hein, normalement. Et voilà, regarde ce nœud hyper costaud. Vraiment, c'est du solide. Il est très simple à faire. Moi, je le fais de plus en plus parce que je commence à moins voir. Et ça m'évite de me casser la tête à passer deux fois dans le fil, dans les trucs, machin, faire le nœud FG, tout ça. Voilà, c'est un nœud qui est très très simple et très solide. Vous êtes prêts pour la guerre. Vous le serrez bien. Ah, c'est vraiment costaud. Super bonheur.